Il y a des hommes brisés et il y a un seul moyen de les refaire hommes, c'est qu'ils deviennent sauveurs des autres. Pris individuellement, ils ne le pourraient pas. Pris ensemble, ils se redécouvrent tout d'un coup une force et ils savent qu'ils peuvent apporter, devenir bienfaiteurs. Et je leur dis souvent, ça prouve qu'on est vraiment sauvé quand on est devenu sauveur. I have a dream. One day. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. T'agis sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi. Commence chaque journée. Comme si elle avait été écrite pour toi. C'est possible. Le spectacle continue. C'est pas possible de laisser un quart ou un cinquième de la population valide, compétente, etc., sans emploi. Ça ne peut pas durer. Il y aura des décisions à prendre devant un expert. Mais ce qu'il faut, c'est préparer l'opinion. La préparer à ce qu'il y ait des décisions qui passent mal. Nous sommes en guerre avec la misère. L'avenir, discours prononcé par Victor Hugo à Paris en 1867. Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être nouveau. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Elle aura la gravité douce d'une aînée. Elle s'étonnera de la gloire des projectiles coniques et elle aura quelque peine à faire la différence entre un général d'armée et un rouge. La pourpre de l'homme ne lui semblera pas très distincte du rouge de l'autre. Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre Prussiens et Français lui apparaîtra comme nous apparaît une bataille entre Picard et Bourguignon. Elle considérera le gaspillage du sang humain comme inutile. Elle n'éprouvera que médiocrement l'admiration d'un grand chiffre d'hommes tués. Le pansement de col que nous avons devant l'Inquisition, elle mourra de l'ordre. Cette nation aura fait la paix et ne s'appelle
s'appellera point la France. Elle s'appellera l'Europe. Elle s'appellera l'Europe au XXe siècle. Et au siècle suivant, elle s'appellera l'humanité. L'humanité, nation définitive et dès à présent entrevue par les penseurs, ces contemplateurs des pénombres. Mais ce à quoi assiste le XIXe siècle, c'est à la formation de l'Europe.